peintres de la fin du XIXe siècle entrent dans l'intimité de leurs contemporains pour trouver de nouveaux sujets à peindre. Les gestes du quotidien et les différents moments qui rythment une journée, comme par exemple le déjeuner ou la promenade au parc, deviennent pour eux des sources d'inspiration. Ici, c'est l'heure du thé. Nous pénétrons dans un appartement parisien, chez un couple. À gauche, un homme regarde par la fenêtre, sur le tabouret, posé son chapeau et ses gants. Au milieu, une femme, revêtue d'une robe blanche, accoudée à une table, où se trouvent deux tasses à café et la cafetière. L'œuvre est baptisée Le Nuage. Le Nuage, en fait, symbolise la dispute vraisemblablement qui a lieu entre les deux personnages qui se tournent le dos. Elle a été peinte par Roger Jourdain, qui se trouve ici, qui est un artiste lauvérien. Et il s'agit ici de son épouse, Henriette, qui a fait l'objet d'une œuvre que vous avez ici et qui appartient aux collections du Musée de Louvain.